un combat il signé. Un deuxième combat, Rocky de la Serra qui va y faire face à Gino Brito Jr. Mais Gino Jr., tout le monde le veut. Tout le monde le veut quand son frère Bob a monté dans le ring. Oui, oui, j'ai révisé les tapes. J'ai regardé les tapes. Puis oui, c'est vrai, Bob, il te l'a knocké. Puis t'étais plein de sang. Puis tu sais, moi, quand je vois les Britos, les Italiens, plein de sang, ça me donne des vibrations dans mon corps, tout partout. Puis là, t'as assez de cœur, assez de front de te demander pour un autre combat contre Rocky de la Serra. Puis toi, tu dis qu'il va y avoir un poteau en milieu de la reine. Puis par-dessus le poteau, il va y avoir un bas. Puis dedans, le bas, il va y avoir un rouleau de 25 cents. Puis le premier qui peint le bas avec le rouleau de 25 cents peut s'en servir sur son adversaire. Mais j'ai pas obligé de te dire qui va arracher le bas. Ça va être mon chum, The Rock de la Serra. Puis à part de ça, son frère Bobby va être là. Mais il va être menotté à Trey Travis. Fait que Trey Travis, tu peux crier, tu peux faire des crises, tu feras qu'est-ce que tu voudras. Mais si tu fais trop ta smart, Bob de la Serra, il va te traîner tout autour de l'aréna parce que oui, tu vas être menotté à lui. Puis Junior, tu vas être seul dans la reine avec The Rock de la Serra. Le dernier coup, t'as eu 7 points de soudure. Il m'a donné une prédiction. Ce coup-là, tu vas en avoir 14 points de soudure. Right, Rock? Hey, si t'as pas eu une leçon l'autre fois, Junior, tu vas en avoir un autre. Parce que mon frère, il t'a knocké, là, c'est mon tour. Quand je te knock avec mon gros doigt. Oh oui, Rock, tu l'as d'affaire. Et Brito va aller à terre.